Alors t'hésites pas à lui faire des bruits bizarres qui peuvent l'attirer. C'est un peu compliqué, hein. Bon, si tu veux, je te remplacerai. Ou alors tu demandes à ton papa ou ta maman de te remplacer. Hop, allez. Tu lui fais, ou faites-lui un bruit bizarre pour attirer vers vous, enfin du genre ce que vous voulez. Voilà. Un petit bruit qui sera peut-être quelque chose que vous referez répétition. Ou celui que vous voulez. On va l'emmener à l'écart des petits, comme ça elle pourra, elle sera moins embêtée. Hop, elle fait pipi là, peut-être, non ? Je sais pas. Non. Ah, ça, ils adorent manger les petits, la petite plante par là-bas. Il y a une laisse, ouais, sur la table, si tu veux en prendre un autre. Il y a même peut-être deux laisses sur la table. Alors, je la prends de la méthode qui n'est pas la meilleure, mais hop, c'est rapide. C'est plus rapide. C'est mieux à demain. Bonsoir. Il va travailler un peu. Non, il a embêté sa sœur. T'as une petite récompense ? J'en ai eu, mais Bobo me l'a fauché. Si t'en veux d'autres, j'en ai d'autres. Ouais, je devrais pas faire de film à fond, mais tant pis. Combien poil à l'aise là ? Bah, d'où c'est sage, hein ? Ouais, lui, c'est probablement oui la première fois. Oui. Là, pour l'instant, on a plus préparé les chiots qui vont partir que les chiots qui vont pas partir. Que comme on ne sait pas quand est-ce qu'il sera réservé, ben, il sera préparé plus tard. Faïsa. Très bien, Faïsa. Où est-ce qu'on part? Pour la cuisine. Don. Et Don, t'es ici. Attention, il y en a là, tes pieds. Kitch. Ah, oui. Le tien est chaud. Non, 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 les filles. Oh, vous m'avez rêvé ou quoi? Et donne des. Assis. Très bien. Assis. Très bien. Bou. Assis. Très bien. Couché. Bobo, t'abuses. Bouchka. Couché. Hey, Bobo, c'est quoi cet exemple là? Très bien. Très très bien, oui, oui. Oui, c'est l'idée. Bon, avec les hormones et les bébés, hein, elles écoutent moins. Hop, voilà. Et donne. Assis. Bon. Vanushka. Très bien, couché. Très bien. Thank you.
Encore, ils sont meilleurs là cet après-midi. Ouais, au début, hein, on a l'impression que c'est pas des, que c'est pas extraordinaire à la laisse et tout, mais c'est normal, hein, c'est le début. Après, vous pouvez l'inciter à vous suivre, ou alors justement faire un jeu à deux de tout ça. Mais bon, c'est que les débuts. Hein. Allez, Galia. 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 Ben, elle en profite hein, parce que là, on les sort rarement dans ce parc-là, justement, exprès pour garder ce parc pour là, ces moments-là. Ah non, hop, elle va y retourner. Hein. Hop, voilà, ça c'est une demi-bêtise, mais c'est pas grave. Non, ça va. Hop, le collier. La demi-bêtise, c'est de vouloir passer en dessous de la cabane en faisant un petit trou, mais bon, ça va. Elle n'a pas continué sa demi-bêtise. Ils adorent, hein. C'est pas forcément pour faire un trou profond, c'est ne serait-ce que pour avoir la fraîcheur de la terre en dessous. Ouais. Oui, puis c'est un réflexe satellite, ça. Pour une première fois, il doit être un petit peu. Et puis là, généralement, quand ils arrivent par là, ils sont impressionnés par les odeurs des chèvres. Je lui ai montré Alvis. Mmh. Ah, bah Alvis, c'est plus impressionnant. Bébé. Elisabeth, j'en ai marre de toi. Allez, Dimi. Dimi dans la grange. Ce sera plus facile tout à l'heure hein, qu'avec tout le monde au milieu d'une. Super, super, voilà. C'est déjà pas mal. Par la suite, vous la dirigerez, mais c'est bien qu'elle ait déjà envie de jouer avec, enfin de courir avec ça. Hop, et là, elle va découvrir, elle les a pas vues, enfin elle les a senties de loin. Bronnie, Faline, Alvis. Bronnie, Faline, Alvis. Allez, Bronnie, Faline, Alvis, allez, allez, allez. Tiens, là, il y en a une petite qui lui fera moins peur. Elle va avoir peur, hein. Au départ, il ne faudra pas être étonné. Là, déjà, on sent qu'elle est un petit peu réticente. Bronnie, Faline, Alvis. Hop. Oh là 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 là, Galiac, c'est quoi ça? Très joli, très très joli. Ouais, ça impressionne. Voilà, on la cajole pas trop non plus, mais faut qu'elle comprenne que c'est pas grave. Galia. Galia. Hop, Boubou, t'es devant la caméra. T'as vu?
chèvres. Pareil, hein, les barzoïs avec les chevaux, ça peut aller très bien, mais il faut leur présenter de bonne manière, que ce soit calme et sympa. Pas qu'ils se fassent courser directement par un cheval. Hop, voilà. Bon, on va pas l'embêter plus longtemps que ça. Hop, on peut la réembarquer plus loin. Voilà, c'est après le chat, c'est le troisième animal qu'elle connaît de différent d'elle. Enfin, deuxième animal. Ça ne dérange pas plus que ça. Hein. Il y a un gros bruit derrière. Je ne sais pas si c'est un animal ou un humain. Un animal, hein. Qu'est-ce que ça peut être, ça? Canard. Doucement. Ça va, elle est pas impressionnée. Elle y va même, regarde là. Hop, doucement, donne. Hop. Hop. Ben, c'est bien parce qu'elle a pas peur, elle veut y aller quand même. Très bien, Faïsa. Hop, voilà.